venez de publier quelque chose, une somme, une compilation, une enquête extraordinaire, Pétain et les francs-maçons. Alors c'est un DVD, ça veut dire qu'il y a des images, des faits historiques, des discours politiques, il y a l'exposition au Grand Palais, le film Forces obscures et un entretien très très intéressant avec Laurent Joly qui remet en perspective historique tout ce qui s'est passé et pourquoi Pétain était anti-maçon. Finalement, quelle est l'idée originale de ce DVD? Pourquoi avez-vous fait ce DVD? Ce DVD, il vient après la diffusion du film Pétain les francs-maçons en 2022 sur la chaîne Histoire TV. C'est un documentaire que j'ai coécrit avec l'historien Laurent Joly, qui est d'abord un grand spécialiste de tout du régime de Vichy, en particulier sur la Shoah, sur les persécutions anti-juives, mais qui était intéressé énormément par ce sujet de l'antimaçonnisme vichyste, parce que beaucoup des personnages qu'on pouvait retrouver dans l'antisémitisme, dans les persécutions antisémites, étaient aussi des antimaçons. Il y a vraiment ça marchait de concert, antisémitisme et antimaçonnisme. Hein. Quel était le message que Marques Rivière et Jean Mamie, alias Riche, voulaient faire passer avec ce film Forces occultes? On a utilisé ce film pour illustrer beaucoup de choses dans notre documentaire avec Laurent Joly. Mais bon, alors, c'est deux personnages assez différents. Hein, assez différents. Marques Rivière, c'est un propagandiste qui est un ancien maçon, qui est devenu un fervent dénonceur de la franc-maçonnerie. C'est aussi un antisémite. Voilà. Et lui, il s'est fait valoir et connaître des services de. Allemands et des services anti-maçonniques de Vichy et qui va lui avoir un rôle, je dirais, qui va se vouloir un rôle un peu flamboyant, c'est-à-dire qu'il va signer des publications, il va être très officiel et tout ça. Alors que Jean Mamie, c'est différent. Jean Mamie, lui, il va être un agent de la Gestapo. Hein. Lui aussi a été franc-maçon, il a été même vénérable de sa loge, la loge Ernest Renan, au Grand Orient. Et lui, il va quand même plonger carrément, voilà, agent de la Gestapo, et voilà, il va publier aussi des choses, hein, beaucoup de choses sous différents noms, mais voilà, il a un rôle différent. Et ils vont se retrouver parce que voilà, il y a une volonté de faire un film, enfin, de propagande anti-maçonnique, et ce film va être tourné fin 42, il va sortir début 43. Une question que je me posais, on peut se poser, c'est qu'est-ce qui a déclenché chez Pétain ce sentiment d'anti-maçonnisme? Quels sont les déclencheurs? Pourquoi Pétain n'aimait pas les maçons? Voilà ma question. Il y a plusieurs raisons. On n'a pas une date précise où on peut dire que Pétain devient vraiment anti-maçon. Mais il y a quand même une chose, et on l'évoque aussi dans le commentaire, dans le complément, l'entretien avec Laurent Joly, c'est sur l'affaire des fiches, hein, donc au début du XXe siècle, et qui est un scandale retentissant en France, puisque l'armée fichait les militaires qui étaient un peu trop catholiques et un peu trop pratiquants, hein, et pour arriver à ça, c'était servi d'un réseau de francs-maçons et la franc-maçonnerie était impliquée. Alors, laquelle, enfin, en tout cas, voilà, j'ai pas tous les détails de l'enquête. Laurent Joly l'explique assez bien dans l'entretien, mais en tous les cas, ça, c'est quelque chose qui va marquer Pétain, parce que Pétain est plutôt un républicain à l'époque, hein, et voilà, et il trouve tout à fait. On est sorti de l'affaire Dreyfus. Lui n'était pas contre Dreyfus. Il était vraiment, voilà. Et ça le choque. Ça le choque. Et il va sûrement, ça va commencer. On va voir ce rejet sur la franc-maçonnerie, les francs-maçons. Et puis après, ce qui se passe aussi, et ça on l'explique beaucoup dans le film, Documents à l'appui, c'est tous ceux qui vont entourer Pétain, qui eux sont vraiment des anti-maçons patentés et qui veulent absolument, voilà, qui même bien avant le régime de Vichy, font tout pour dénoncer la franc-maçonnerie avec tous les grands scandales qu'il y a pu y avoir au début du XXe siècle.
dans le gouvernement entre Pétain et Laval, qui penchait pour qui? Faut savoir que la différence entre Pétain et Laval, attention, je ne veux pas jouer les historiens, je ne suis pas historien, mais Laurent Joly, encore une fois, l'explique très bien. Voilà, je me souviens de ce qu'on avait évoqué, puis comme j'ai traité le sujet dans le film. Pétain, c'est quand même un réactionnaire, c'est un nationaliste, c'est un militaire. Voilà. Lui, les francs-maçons, il en a. Voilà, pour lui, c'est vraiment il les déteste, en tout cas, arrivé en 1940, il les déteste, il considère que si un, même il le dit, il le déclare, si un juif ne choisit pas son origine, un franc-maçon, lui, choisit, c'est un choix. Donc c'est vraiment pour lui quelque chose, c'est vraiment les fauteurs de guerre, voilà. En tous les cas, il a suivi toute cette propagande qui était autour de lui, comme quoi la franc-maçonnerie aurait manipulé pour pouvoir déclarer la guerre à l'Allemagne, avec des influences anglo-saxonnes. Bon, lui, il est vraiment dans cette ligne-là. Laval, c'est différent. Lui, c'est un politicard qui s'adapte à la situation. Et puis, il faut savoir que les Allemands, les services de sécurité, vont s'intéresser dès le départ à la franc-maçonnerie. Ils vont enquêter, ils vont saisir les archives. Et puis, progressivement, ils vont s'en désintéresser. En tout cas, en tant que franc-maçonnerie, en tant que telle, ils vont traiter les archives. Plusieurs services de nazis vont s'intéresser à ces archives, soit pour des raisons d'enquête policière, soit pour simplement servir les archives des universités nazies. Et puis, ils vont s'en désintéresser parce que leur problème est ailleurs. Hein. Il faut savoir que la guerre évolue. Quand il y a l'invasion en Afrique du Nord, voilà, ça bascule. C'est-à-dire que eux, ce qu'ils veulent faire, c'est avant tout gagner la guerre. Et l'histoire des francs-maçons, c'est plutôt un problème franco-français. Eux, ils ont réglé le problème en Allemagne. Voilà, ils ne s'intéressent aux francs-maçons que s'ils sont résistants. Donc ça, par contre, ils vont continuer avoir des investigations et des espions, dont Jean Mamie, hein, qui va vraiment servir, lui, de ses connaissances des réseaux maçonniques pour infiltrer la résistance, hein, il ne cherche pas à infiltrer la franc-maçonnerie. Il y a une franc-maçonnerie résistante, ou en tout cas, il y a une franc-maçonnerie qui tente de continuer à exister en tant que telle. Et puis, à l'intérieur de ça, il y a aussi des francs-maçons qui sont résistants et qui vont vers une résistance armée. Lui, il suivait le mouvement, mais les francs-maçons en tant que tels, il a très vite compris aussi que toute la mise au ban de la société des francs-maçons, en particulier dans l'administration française, ça crée des problèmes. Il fallait révoquer des hauts fonctionnaires, il fallait révoquer des militaires, il fallait révoquer un postier, il fallait révoquer plein de gens. Donc ça désorganisait énormément et c'était contre-productif pour Laval. Et donc ce côté réactionnaire qu'il y avait autour de Pétain et autour de lui, qui était souvent, alors si Pétain n'était pas un fervent catholique, je crois qu'il n'était même pas, il n'était pas du tout pratiquant, mais autour de lui, il y en avait Bernard Faby, des gens comme ça, mais qui étaient vraiment presque des mystiques. Et donc la franc-maçonnerie, c'était la synagogue de Satan. Donc tout ça se mélangeait comment dire, un rejet et une haine, voilà, qu'il n'y avait pas avec Laval. Laval, il était pragmatique. Qui faisait quoi à cette époque-là? Et pourquoi se sont-ils un peu bagarrés? C'est ça que j'ai trouvé ça curieux. J'aurais pas pensé qu'il puisse y avoir à l'intérieur de ces polices des guerres de police. Faut savoir qu'il y a eu une concurrence très forte entre la zone occupée et la zone libre, entre les autorités allemandes qui imposaient beaucoup de choses évidemment dans la zone occupée, beaucoup moins parce qu'il y avait des conventions d'armistice en zone libre, hein, et ça se négociait. Et donc très vite, il y a des responsables du régime de Vichy qui ont voulu reprendre la main. Lui, c'est vraiment, il vient d'extrême droite et il va vraiment vouloir organiser tout ça. Et puis, quand Laval va revenir, il va remodifier un peu l'organigramme, donner les responsabilités à un tel, et va vouloir aussi beaucoup plus contrôler certaines choses comme les commissions de réhabilitation. Parce qu'à un moment donné, comme je le disais, il y a eu trop de maçons qui ont été révoqués, ça désorganise, donc il veut tempérer un petit peu pour certains. Mais en fait, ces concurrences
c'est aussi des concurrences entre personnes qui veulent récupérer ce pouvoir. Voilà. Et puis, il y a un service à Paris, le service Morchel. C'est le service spécial des associations dissoutes, qui est un service qui a été complètement commandité par les services de sécurité allemands, par la SS. C'est une demande de la SS, service de sécurité auprès de la préfecture, qui va adouber cette demande et accepter que ce service soit créé avec ce fameux Morchel, qui est un type qui va profiter de la situation. Il faut savoir aussi que dans le DVD, il y a un livret Oui. et on reprend le document, voilà, parce que pour comprendre sur quoi on s'est basé, hein. Tout notre travail avec Laurent Joly, ça a été de repartir des documents. Ça, c'était primordial parce que faut savoir qu'il n'y a pas de thèse scientifique, hein, sur l'antimaçonnisme vichyste. Il y a des petits bouts un petit peu, il y a des macédologues qui ont travaillé là-dessus, il y a des ouvrages qui font référence, mais qui ne sont pas, entre guillemets, sur des recherches scientifiques d'historiens. Voilà. On a quand même réuni 11 000 documents Voilà. pour Combien ce truc. de temps? Ça vous a pris combien de temps? Ça nous a pris, on dit 2 ans, mais ça a pris plus de 2 ans parce qu'il Ah a oui. fallu. Il a fallu évidemment traiter ces documents. Ce sont des documents qu'on nous avons croisés, hein, parce que dans ce film, on parle aussi bien de l'antimaçonnisme que de la résistance. Donc, pour l'antimaçonnisme, on a eu accès aussi à une source de documents complètement inédits au Grand Orient. Hein, Pierre Mollier, qui est le responsable du musée, nous a permis, et puis les responsables des archives, d'accéder à ces documents qui sont complètement exceptionnels sur ce sujet. Qui sont des documents du fameux service Morchel, hein, du service spécial des dissoutes, et aussi du service failli, le service des sociétés secrètes. Voilà. Une dernière question, une réflexion, je dirais presque philosophique. Tous ces gens qui étaient anti-maçonniques, si les maçons de cette époque, je me fais l'avocat du diable, si les maçons de cette époque en 40 avaient utilisé les recommandations d'Anderson et de ses constitutions, qui disait pas de politique, pas de religion. Est-ce que ça n'aurait pas évité qu'ils deviennent des boucs émissaires? Ah, on refait pas l'histoire, Bravo pour ce travail. Merci pour vos réponses à mes questions. Et à très bientôt sur 450 FM et sur iram.be. merci à vous, Jacques.